Avec plus de 10 points d'écart sur la liste UMP, Raymond Forni affichait largement sa satisfaction hier soir devant un Kursaal archi-comble et des militants aux anges. Le président sortant du Conseil régional, Jean-François Humbert, a quant à lui accueilli sobrement l'annonce de son échec. On écoute la réaction à chaud des deux hommes. C'est évidemment plus qu'un signal qui a été donné par le peuple français. C'est l'espoir qui a été manifesté par ce vote, l'espoir en la gauche. Et aujourd'hui, au moment où la Franche-Comté bascule à gauche, comme cela est prévisible, je prends la mesure de la responsabilité qui est la mienne. Cet espoir ne doit pas être déçu et nous devons nous mettre au travail pour changer la politique en Franche-Comté, mais aussi préparer l'alternance en 2007. Il y a manifestement une confirmation du vote sanction. J'étais sur un autre registre, considérant que notre région avait bénéficié d'une action au quotidien plutôt favorable aux Franc-Comtoises et aux Franc-Comtois. Je le pensais, manifestement, il ne le pensait pas.